Bonjour à tous et bienvenue sur Boursicoté.com pour ce nouveau point clôture du CAC 40 avec donc une séance qui a vu une ouverture sur un gap baissier. Ensuite, on est venu tester ici la zone de support sur laquelle j'attirais votre attention hier, qui était liée à un gap qui était resté ouvert en décembre 2016. Ce gap a donc été comblé et suite à cela, eh bien, nous avons eu une remontée des cours pour venir donc clôturer et combler ce gap et terminé en légère hausse, puisqu'en clôturant à 4694,38, eh bien le CAC 40 gagne 0,04% par rapport à la clôture de la séance précédente. Alors, on vient donc valider un comblement du gap du mois de décembre. Ce niveau ici a bien été perçu comme support par la séance du jour avec ici cette bougie donc qui vient marquer une ombre basse significative sur cette zone de support. On s'est approché de la zone d'objectif ici liée à une extension de Fibonacci à 4606 points. Donc on marque un rebond, mais on reste dans une perspective plutôt baissière avec des points hauts et points bas inférieurs à ceux de la bougie précédente. Du point de vue des indicateurs techniques, on reste ici sur un flux plutôt baissier avec une dynamique baissière donc sur le MACD dont les histogrammes évoluent toujours à la baisse et un RSI qui se rapproche ici de sa zone de survente. Nous pouvons noter que sur cette séance qui était une séance d'expiration trimestrielle dite à 4 sorcières, nous avons énormément de volume mais que cela est lié justement à cette expiration trimestrielle. Donc les volumes sont en hausse. Alors, on n'aurait pas eu cette séance à 4 sorcières, le fait d'avoir des volumes fortement haussiers avec ici une ombre basse fortement développée pourrait montrer ici une rotation sectorielle au sein de l'indice. Mais il faudra valider dans les prochains jours, puisqu'on avait quand même une configuration technique assez particulière. Alors, vu que nous sommes vendredi, je vous propose une vue hebdomadaire donc du CAC 40 où l'on voit bien ici la poursuite donc du mouvement baissier avec donc l'objectif ici qui est atteint, une clôture donc qui se fait tout juste à l'intérieur des bandes de Bollinger au-dessus de la bande de Bollinger inférieure. Donc on est toujours ici dans une perspective plutôt baissière. Par rapport à la configuration hebdomadaire, on voit ici que l'on est bien ici sur une forte dynamique baissière hein, qui évolue le long de cette bande de Bollinger inférieure. Du point de vue des indicateurs, nous avons une configuration qui redevient baissière aussi avec des histogrammes qui repassent ici à la baisse, un RSI qui se rapproche fortement ici de sa zone de survente. Donc on est bien baissier hein, sur cette dynamique et on le ressent bien ici sur cette vue où on voit ici les bougies rouges beaucoup plus amples que les bougies vertes et cela est un autre signe que eh bien, le mouvement baissier est d'un point de vue moyen terme assez significatif. Alors, sur cette vue hebdomadaire, le point ici à ne pas dépasser, eh bien, ce sera tout simplement cette zone hein, de gap que nous avions, qui est donc un gap de 2016 qui a été comblé, mais qui agit comme zone de support. Si ce niveau venait à céder, eh bien, on serait sur une perspective de retour ici sur la zone des 4570 points, qui est un niveau majeur sur la dynamique moyen terme. En termes de rebond, il faudrait valider ici un retour au-delà de cette zone des 4850 points pour commencer à espérer un rebond significatif, puisque depuis ici cette bougie fortement baissière, nous avons ici une succession de points hauts et de points bas qui se fait toujours d'une manière inférieure à ceux de la bougie précédente. Donc on reste dans une dynamique baissière tant que l'on est dans cette configuration. Alors si nous revenons dans la vue journalière, comment appréhender la séance de lundi et ceux donc de la semaine prochaine. Donc la zone ici 4640, 4658 reste majeure. Tant que l'on n'enfonce pas ici cette zone, on peut s'attendre à un rebond technique sous l'impulsion ici de cette bougie nourrie de fort volume avec une ombre basse fortement développée. Il y a un gap à combler, donc ça sera un premier élément. Dans un cadre général, si on arrive à repasser ici au-delà des 4738 points, cela serait un premier signal. Mais dans les prochains jours, c'est éventuellement en cas de rebond, cette moyenne mobile 20 exponentielle ici en rouge qu'il va falloir surveiller, car un test de cette moyenne mobile pourrait nous donner un signal comme nous l'avions déjà eu
ici, avec en cas de rechute sous cette moyenne, eh bien, un signal de poursuite de la dynamique baissière. Par contre, une cassure, eh bien, nous donnerait un espoir de retournement. Et puis, à la baisse, on est un peu dans la même perspective que dans la vue hebdomadaire, à savoir en cas de rupture ici de cette forte zone de gap, eh bien, retour serait attendu ici sur les 4570 points. Voilà donc ce que l'on peut dire d'un point de vue technique sur la configuration actuelle. D'un point de vue statistique, nous avons une probabilité plutôt baissière suite à cette configuration. Configuration baissière avec donc une probabilité assez équilibrée, mais avec une bonne conviction. 53% de probabilité baissière par rapport au niveau d'ouverture de lundi et une conviction qui reste baissière sur les jours suivants. Voilà donc pour cette analyse, je vous souhaite donc de passer un bon week-end, de bonnes fêtes, on se retrouve en 2019 pour de prochaines analyses techniques toujours sur le site boursicoté.com.